Salut à tous les amis, c'est Neo. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo des amis sur PandaKMC. Dans cette vidéo les amis, on va tout simplement gagner des cœurs à chaque fois que je tuerai une personne en Warzone. C'est un concept que encore une fois j'avais fait il y a 2-3 ans. Mais voilà, je réutilise des concepts en les améliorant un petit peu, en essayant de changer 2-3 trucs. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous affiche à l'écran le gagnant des 10 euros points optiques de la dernière vidéo. Bien joué à toi frérot. Je vous remets en jeu 10 euros dans celle-ci. Donc pour participer c'est très simple, tu t'abonnes, tu likes et tu commentes la vidéo avec ton pseudo. Si jamais vous voulez le pack de textures utilisé dans cette vidéo, je vous mets au défi de me mettre les 180 likes sur cette vidéo. Voilà, je vous en demande pas 200, comme ça les 180 on peut les atteindre assez facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo. Les amis, j'espère que ça vous a plu, tout le petit truc qu'il y a eu avec Karting, etc. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir la rediff du live. Tout ça était complètement faux, mais dans tous les cas, on va en parler un petit peu dans la vidéo. Un gros merci à toutes les personnes qui étaient là sur le live hier, les gars. On a quand même pété 300 viewers, hein. C'est vraiment pas rien, honnêtement. Voilà, un grand merci. C'était plutôt drôle, on a rassemblé à peu près 500 viewers avec Karting, donc voilà, plutôt mignon l'event. Bref, je vous laisse cette année en espérant que la vidéo vous plaise. La bibise, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement et le commentaire pour le concours. Deux petites secondes avant que je lance la vidéo, les amis, je tiens à vous prévenir que je serai en live ce soir vers 20h45, 21h à peu près, dans ces eaux-là. Donc voilà, restez actifs sur la chaîne. Ça sera à peu près 30-45 minutes après que cette vidéo soit sortie. En espérant que la vidéo va vous plaire, elle est plutôt chill, honnêtement, vous allez voir, elle est plutôt sympa. Bref, je vous laisse avec la vidéo, bisous bisous. Et les amis, on est directement parti pour PVP sur Minecraft. Hop, en plein gaming. Putain, les deux mecs me sautent dessus, hein, ils veulent ma grappe. C'est parti, putain, c'est vrai que j'ai la Torch Sword. Ah, mais alors attendez, parce que là, si je dois me battre contre plein de gens à la fois, ça va être très compliqué. Pourquoi il est aussi fort? Moi, je suspecte cet homme de triche. Je vais demander à Netrox de regarder les logs. Il est no grade et il m'arrache la gueule. C'est 100% un cheater. Le gros haineux, hein. On change pas une équipe qui gagne. Les gars, j'espère que vous avez été présents sur le live samedi. C'était exceptionnel. Évidemment, tout ça, c'était du troll. Enfin, évidemment, beaucoup de gens y ont cru. Donc, c'est peut-être pas si évident que ça. Mais voilà, tout ce drama avec Art King, c'était du troll. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On a essayé de faire ça pour raviver un petit peu. Pour faire bouger un petit peu la communauté Minecraft. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il se passait pas grand chose. Donc voilà, on a essayé de faire ça pour rigoler, pour troll un petit peu la commu. J'espère que ça vous a plu. En vrai, les gars, j'ai trouvé ça assez drôle. On était plus de 300 sur le live. Genre, je crois que j'ai fait un pic à 295, un truc comme ça. Et Art King était à genre 180 viewers aussi. Donc, franchement, c'est plutôt incroyable. Ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, les gars, pour l'octogone, vous vous doutez bien que j'ai gagné. Hein, sans surprise, j'ai mis 3-0 à Art King. Bon, il pensait vraiment avoir une chance. J'ai quand même mis 3-0, histoire de lui montrer c'est qui le papa, les gars. Il est bon qu'à trappe sur Art King, hein, finalement. Merde, c'est vrai que là, c'est plus le faux drama. J'ai plus besoin de le trash pour rien, le pauvre. C'est vrai qu'il a pris cher avec le faux autoclic, les gars. Bon, pour l'instant, lui, au final, il triche pas, à mon avis, puisque vu comment je lui pète la gueule, y a pas un seul monde où il triche. Bon bah les gars, je l'ai tué, ça veut dire que là j'ai gagné 4 cœurs carrément. Donc ça c'est plutôt mignon. Je vais poser tout son stuff, je me remets bien et on est reparti directement pour le prochain 1v1. Ok les amis, comme vous pouvez le voir, quand je me mets en F5, j'ai 28 cœurs. Donc ça c'est plutôt mignon. Bon, 28 cœurs c'est entre guillemets 14, hein, du coup. On va 1v1, un big rats les gars. Un big rats qui est quand même vachement présent très 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 souvent sur le serveur, hein. Il est fidèle au poste. Oh putain, je me prends un petit combo là. Bon, va falloir que je fasse attention parce que qui dit plus de cœurs dit aussi plus de cœurs à régénérer. C'est pas forcément un avantage. Donc voilà, on va essayer quand même de bien faire le travail sur un big rat. Oh putain, il a failli me tuer. Alors là, j'ai raté toutes mes potions, c'était très très mal joué. Là, je viens de perdre l'avantage que j'avais. Je pense que l'idée, c'est de me full heal à chaque fois. Comme ça, je peux le jouer au maximum au drop. Et ça, c'est plutôt sympa en vrai de pouvoir faire ça. Là, je vais le perdre l'aggro. On va essayer de le drop comme ça. Mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir du mal quand même, hein. Bon, là, l'avantage, c'est que je peux faire des doubles potes plutôt que de juste mettre une pote à chaque fois. On va vraiment essayer de le tuer, les gars, mais je sais pas, ça me paraît quand même mission assez compliquée. Il est pas si mauvais que ça, le petit enfoiré, j'ai l'impression. Mine de rien, il sait jouer au jeu Minecraft, quoi. On a fait le drop, là, les gars, il a 20 demi-coeur encore, hein. Oh non, je l'ai heal, j'ai trop mal joué, j'ai le seum de fou, les gars. Oh non, putain, j'ai pote lag. J'ai été trop mauvais, GG à lui en vrai. Bon, pour la vidéo, on va quand même passer à 4 coeurs en plus et on se retrouve directement pour le prochain fight, les potes. Ok, les loulous, on est parti, on va continuer cette petite vidéo. Là, j'ai vraiment beaucoup de cœurs, comme vous le voyez. Oh putain, il a une rod. Oh non. Ok les gars, je vais invoquer. En fait, sur Panda, il y a une nouveauté. En gros, il y a un micro intégré. Et si jamais vous demandez quelque chose dans votre micro, eh ben, il apparaît dans votre écran. Par exemple, là, je vais demander une rod. Et je pense qu'elle va apparaître dans mon écran. Hop, super, excellent. Hop. C'est tellement bien fait, le serveur. Vraiment, n'hésitez pas à le rejoindre. Neo.pandakmc.fr. Ah oui, c'est vrai, j'ai une IP personnalisée. N'hésitez pas à rejoindre avec, les gars. C'est plutôt mignon. Je sais pas si c'est très représentatif, sachant que vous êtes déjà, à mon avis, tous connectés sur PandaKMC. Mais n'hésitez pas à l'utiliser. On va essayer de le tuer de Brésil. Je sais pas si ça me fait vraiment un avantage, les gars, en fait, tous ces cœurs là. Parce que là, j'ai énormément de cœurs. Mais en fait, il faut que je les remplisse. Donc je sais pas si ça vaut vraiment la peine. C'est un petit peu la question que je me pose.
Je crois que je m'étais sûrement posé la même question dans l'autre vidéo. Lui, il est vraiment nul et chiant, hein, si vous voulez mon avis sincère et honnête. Le mec, il utilise des synonymes, il a rien compris. Là, j'ai vraiment beaucoup plus de cœur que lui. Donc en soi, je vais réussir à le drain un peu plus facilement. Mais ouais, je sais pas si ça m'avantage tant que ça, les gars, en vrai. En ça, tout ça. Je pense que je dépense mes heals beaucoup plus vite que lui. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup. En vrai, je dis ça, mais je pense que ça vaudra toujours le coup d'avoir plus de cœur que lui. Hein. Là, j'aurais peut-être pas dû l'aggro parce que je vais devoir la reprendre aussi, ma régène. Là, je vais perle. Comme ça, je vais pouvoir utiliser bien mes heals. C'est punch sur moi, les gars. On va essayer de. J'espère qu'il va finir sur ma main jusqu'à la fin. J'espère que j'ai plus de potes que lui en vrai. J'espère juste qu'il va pas back en vrai, les gars. J'espère qu'il va finir le 1-20, ça peut être plutôt cool. Parce que bon, on en a marre des gens qui back pendant les 1-20, les gars. On commence à en avoir marre. On a toujours la petite épée Thor là qui fait des beaux éclairs derrière. Plutôt mimi les éclairs, les gars. Elle est vraiment bien, bien sympa cette épée. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, hein, donc si vous voulez aller la voir, plutôt mimi la vidéo. Composé à base de PVP, hein, en général, on fait pas grand chose d'autre ici. Faut se tenir en forme si jamais on me propose des octogones, les gars. Donc voilà, on est obligé de s'y tenir. Les gars, je pense que le 1v1 est bientôt fini là. Ouais, je pense que bientôt il a plus de potions, l'ancien là. Enfin, en tout cas, j'espère parce que ça commence à être un petit peu long ce 1v1. J'ai l'impression qu'il a un backpack de potions, l'ancien. C'est un peu interminable. Le pack est vraiment trop stylé, hein, les gars. Vraiment, n'hésitez pas à mettre l'objectif de like dont je vous ai parlé en commentaire. Tu peux lui enlever son punch, s'il te plaît, ou pas? Il va me casser les couilles, ce chien. Tu peux lui enlever ou pas? Là, il va juste tourner en rond, il va être chiant. Ok, les gars, là, par exemple, j'aimerais bien demander au jeu que le mec, je sais pas, son punch se retire. On va voir si ça peut s'exaucer ou pas. J'en sais rien. C'est bientôt pack, en vrai, donc il y a un monde. Putain, mais il connaît les endroits par cœur, mais il est tellement gênant. Bah, en vrai, attendez, regardez, j'ai juste à faire ça. Hop, et je vais avec lui dans le trou 1 sur 1. Il est forcément mort, en fait, parce que j'ai plus de cœur, donc. Là, il me heal en plus, donc il me permet de repasser à 40 cœurs. Elle est belle. GG à lui, les amis. On passe directement au prochain, les gars. Et là, 4 cœurs en plus, à mon avis, ça commence à devenir banger. Et les amis, on est directement parti pour un verre Lunatix. On a 44 cœurs, les gars. Il me dit, t'as Ender Pearl. Tiens, beau gosse. On partage, nous, les gars. On est dans le partage. On est parti, les gars. On va voir. Je pense que ça va être un banger. Le pauvre, il va rien pouvoir faire là. Là, en fait, il faudrait que j'arrive à me coller à lui pour récupérer toutes ses heals. Par contre, à chaque fois que je vais me heal, les gars, ça va me prendre toute la haute barre. Hein, moi, je vous le dis. Donc ça va être plutôt drôle. Là, pour l'instant, j'arrive à gratter un peu ses heals. Non, en vrai, c'est tellement fort, les gars. Oh là là. Oh là, le pauvre il peut legit rien faire là en vrai. Là c'est un peu finito pour lui je pense. J'utilise toutes ses heals à chaque fois. Ok attention, là les gars j'utilise toute la haute barre. Et non le pauvre, là je lui ai ruiné tous ses espoirs en me ruinant. En plus si j'utilise la rod ça va pas le faire. Je crois qu'il a pas de rod donc je vais être fair play, je vais pas l'utiliser. Ok il a essayé de perle aggro j'ai l'impression. Ou alors c'était une perle pour s'extirper, je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'il a voulu faire. J'ai bien l'impression qu'il essaye d'aller dans la grotte. Hein. Là les gars je me suis même pas heal, c'est lui qui m'a heal tout ma barre de vie. C'est une dinguerie frère, c'est trop fort. Je crois qu'il a déjà plus de potions. Mais attendez mais j'ai l'impression qu'il a le petit skin Dark King là, ce petit filou. Toi t'étais pas pour moi en fait pendant la bagarre Lunatix. Hein. Je retiens Lunatix, je retiens. C'est pas très gentil ça. Merde, il essaye de back. Comment ça se fait qu'il lui reste encore des potions? Les gens des fois je me demande comment ils ont autant de potions frère. Ah, il a essayé d'aller dans le trou. S'il arrive à m'y faire tomber, c'est un peu compliqué pour moi par la suite. Allez, on va le tuer. GG à lui. Et ouais, j'ai pas utilisé de potion hein, quasiment. C'est vraiment trop fort. Comment ça, 40 cœurs? Oh là là, le pauvre. Ok, les gars, on passe à 4 cœurs supplémentaires et on se retrouve directement pour la prochaine victime. Moi, je vous dis à tout de suite, les gars. Ok, les gars, on est parti. On va vers le poteau là. Carrément, les gars, j'ai 3 lignes de cœurs. Ça va être impossible pour lui, je pense, de réussir à me tuer. Il a pris une rod, carrément. Les gars, là, j'aimerais bien exaucer, je pense, le fait qu'il n'ait plus cette rod dans son inventaire, à mon avis. Je vais voir si le launcher, il peut faire ça. Parce qu'en vrai, il a pas l'air très bon avec, mais c'est quand même chiant, à mon avis. Donc. On va essayer de voir si on peut pas lui faire enlever sa rod. Il est en train de back. Hein. Je crois qu'il veut pas trop fight quelqu'un qui a 60 cœurs, les gars. Qui me paraît potentiellement un peu logique. Ouais, je crois qu'il veut vraiment pas fight. Ok, les gars, j'ai été interrompu par ma super mamoun. Je vais essayer de tuer quelqu'un là avant de finir cette vidéo. On va voir si on peut pas le fight lui. Je pense que là en Warzone, ça va être impossible de finir en vrai 1v1. Oh putain, il a pris des dégâts de chute là, l'ancien. Le pack est trop beau, mais j'ai peur que les gens ne veuillent pas vraiment faire le 1v1 contre moi en sachant que j'ai vraiment un nombre de cœurs très haut. Je pense que ça doit un petit peu les effrayer, hein, honnêtement. Ça m'aurait un peu effrayé aussi, je pense. On va essayer de gratter ses heals en vrai et de pas me heal, mais bon, ça me paraît quand même un peu compliqué. Ok, les gars, là, on va utiliser toutes les potions. Hop. Et on a régéné toute la barre. Ça, c'est vraiment super drôle en vrai. Honnêtement, moi, je fight un mec comme ça. Je suis découragé au bout de la deuxième fois qu'il se heal, hein, honnêtement. Et je crois qu'elle s'appelle Mami Wata. Ouh, les gars, attention, j'ai failli mourir. Honnêtement, je suis pas au top du hip-hop là, les gars. J'ai l'impression que le 1v1, il va jamais se terminer en fait. Oh là là, en plus, je me prends un combo. Oh là 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 là, il est pas mauvais, l'ancien. Il est pas mauvais. Bon, s'il est clairement mauvais, c'est juste que là, je fais vraiment le golemon sur l'inverse. Est-ce que vous voulez que je vous montre un petit peu ce que ça donne si jamais je me concentre? Ok, non, lui il est vraiment venu pour nous casser les couilles. Vas-y, je vais me concentrer un petit peu, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand je me concentre.
Ah bah alors là, il y a un mec qui a mis un message dans le chat au moment où je l'ai mis l'eau, je pensais que je l'avais tué, honnêtement. Ça fait deux fois que j'essaye de perdre l'aggro, je n'arrive pas à switch sur ma perle, c'est vraiment effrayant. J'ai vraiment un niveau exécrable sur ce jeu Minecraft. Bon, on va le laisser boire sa potion quand même. Ah mais depuis tout à l'heure, je suis pas sous régène en fait. Ok les gars, c'est parti, hop hop hop, on va se heal, il me reste plus que 3 heals. Carrément, il a acheté ses trucs au sol. Il y a un moment où lui, il a un petit autoclic, j'ai l'impression les gars. Ou alors il tape dans le vide comme un gros golemon. Ok, on a réussi à le tuer. Let's go, on finit la vidéo en beauté. Bon, mes cœurs ont encore augmenté, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon on va faire du mal à la communauté là. Bref, les frères, c'était Neyo. En espérant que la vidéo vous ait plu. Oh, 32 gapple, comme ça c'est donné, c'est cadeau. Neyo, je t'aurais détruit si t'aurais vainqueur. On dit si t'avais mon con. Mais bon, la bibis des frères, c'était Neyo. Oubliez pas le petit like, le commentaire pour le référencement. Et surtout pour le concours de 10 euros de points boutique. La bibis, c'était Neyo. Et oubliez pas les 200 likes si jamais vous voulez le pack de textures. Bisous, bisous.